tous réunis autour de la prière du Tarawih, un grand classique durant le mois de jeûne pour ses fidèles, derrière leur imam, le guide de la prière. Exécutée le soir après la dernière prière de l'Aïcha, elle implique 20 unités de prière, une concentration prolongée et génère un moment de partage et de spiritualité. Comme j'habite à côté dans le quartier, donc je vais faire le tarawih ici parce que c'est encouragé de lire le Coran durant le mois de Ramadan. Et ici, en collectif, on participe au tarawih, tout simplement. Donc une bonne ambiance, ça se passe très bien. Comme le veut la tradition prophétique, cette prière est effectuée collectivement et de préférence à la mosquée. Il est de fait recommandé de lire l'ensemble du Coran réparti durant tout le mois. Alors c'est très important de lire beaucoup le Coran pendant la prière du Tarawih, parce que le Coran a été descendu pendant le mois de Ramadan. Donc c'est un mois où il faut beaucoup lire le Coran. Donc on a choisi de lire le Coran en entier pendant le mois de Ramadan parce que on veut beaucoup de récompenses. C'est pour ça qu'on lit beaucoup le Coran pendant le mois de Ramadan. Un mois de Ramadan qui se terminera dans 10 jours.